Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay aux éditions Conspiration. Alors Winsor McCay, c'est un illustrateur américain de 1869. C'est vraiment un pionnier de l'illustration et même, on a dit, de la fantasy. Il a inspiré Walt Disney, Mobius et Hayao Miyazaki aussi pour ses dessins qui créent des mondes extraordinaires. L'histoire d'un petit garçon qui est un peu turbulent, qui vit chez ses parents, chez ses grands-parents. Mais au moment du coucher, quand il s'endort, il voyage dans des univers extraordinaires. Il y a des couleurs chatoyantes, il y a une inventivité au niveau des créatures, des animaux. On peut voir des sirènes, on peut voir des éléphants, on peut voir aussi des fées, on peut voir toutes sortes de choses. Et ce petit garçon qui traverse ces univers toujours en une seule page, c'est vraiment ça qui est magique et qui rappelle tout simplement la structure des rêves. Rêve merveilleux, enfance.